Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui sur artofgaming.fr et sur ma chaîne YouTube pour une première vidéo d'une nouvelle série de vidéos consacrée donc à la Wii U et à des fonctionnalités qui sont pas forcément évidentes, on va dire qui sont pas explicitées de manière claire, et que je vais me proposer de vous expliquer très facilement en vidéo. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, ça sera très simple, ça sera comment réaliser un screenshot d'un de vos jeux et comment donc le partager sur le Miiverse avec vos amis. Donc on va tout de suite lancer Trine 2. Au passage, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour Trine 2, parce que vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire sur PC ou que vous ne connaissez pas le principe, c'est un jeu de réflexion plateforme en fait qui se joue avec trois héros différents qu'on peut changer à la manière d'un Lost Viking. Et la version Wii U en fait est jouable à la fois sur le gamepad et sur votre téléviseur, donc ça c'est vraiment très très bien. Et du coup, il y a l'ajout du tactile qui est plutôt sympa quand on joue Amadeus ou quand on joue la voleuse. Et vous pouvez évidemment y jouer à plusieurs avec une Wiimote ou éventuellement un contrôleur pro de Wii. Et donc je vais vous montrer très facilement en démarrant ma partie qu'à tout moment on peut choisir de faire un screenshot et de le partager sur le Miiverse très rapidement. Je vais faire reprendre ma partie. J'avais commencé une partie exprès juste pour ça. Ça vous permettra de voir également que les temps de chargement ne sont pas horribles. C'est pour une console qui vient juste de sortir. Peut-être pas le plus. Et donc voici le jeu. Donc à tout moment, je peux faire pause en appuyant sur le menu Home. L'idéal évidemment est de choisir un moment qui vous plaît, puisque le but c'est de partager le screenshot. Et en fait le screenshot que vous partagerez, ça sera celui, enfin l'image que vous aurez sur votre gamepad ou sur votre téléviseur, vous pouvez choisir de différencier les deux, au moment où vous appuyez sur le bouton Home. Donc là par exemple je veux montrer les bulles, j'appuie sur le Miiverse. Ça va me charger automatiquement dans la communauté du jeu auquel je suis en train de jouer, donc ça c'est plutôt sympa. Ça me permet du coup d'avoir des réponses à des questions, de voir les réactions des gens, etc., etc. Et éventuellement de poster moi-même mes propres opinions, un conseil pour un jeu, un screenshot, une question à des joueurs, etc., etc. Donc une fois qu'on est dedans, vous voyez, il y a la communauté qui se charge, je vais faire publier. Vous voyez qu'il y en a un autre qui a déjà été fait juste avant, qui était moi. Et en fait, quand vous avez appuyé sur Home et que vous êtes au milieu d'un jeu, vous avez un petit bouton qui apparaît en haut à droite qui permet de rajouter une image. Là où je trouve que c'est très bien fait, c'est que vous avez en haut le screen de votre téléviseur et en bas le screen pris sur votre gamepad. Donc sur des jeux où c'est asymétrique, vous pouvez choisir de montrer uniquement l'image du gamepad. Donc là, je vais choisir cette image-ci. Je vais écrire quelque chose. Je vais écrire test. Et là, je peux choisir de le publier. Je peux également choisir de cliquer sur révélation. Et donc, c'est considéré comme une image spoiler. Les gens devront avoir à valider l'image avant de pouvoir la voir. Donc ça, c'est super sympa. Ça permet d'éviter de montrer la fin du jeu et malgré tout de pouvoir le faire, mais uniquement aux gens qui le désirent. Voilà. C'était une vidéo très simple. Il suffit de rappuyer sur le bouton Home ensuite, de quitter le menu Home, et vous êtes de retour dans votre jeu, qui lui était juste en pause. Et vous pouvez continuer d'y jouer et éventuellement montrer d'autres moments de votre jeu la route. Un peu plus tard. Qui puisse arrêter. C'est le grand magicien. Merci de m'avoir suivi sur cette première vidéo de comment faire, hein, les how-to, comme on dit en anglais. N'hésitez pas à me poser des questions pendant, dans les détails ou dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions sur la Wii U, si vous voulez savoir comment faire telle ou telle chose, j'essaierai d'y répondre en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très très bientôt.